Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Vous savez tous que hier, nous avons célébré la journée internationale de la liberté de la presse, la fameuse liberté de la presse. Et donc, comme vous le savez tous, et ce n'est un secret pour personne, que la liberté de la presse et la presse en général est considérée dans des pays dits démocratiques comme étant le quatrième pouvoir. Et dans la liste de pouvoirs, si la presse prend la quatrième position, c'est simplement parce que la presse a un rôle à jouer. Et n'oubliez pas que le pouvoir dans un pays démocratique a des contre-pouvoirs. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on énumère la plupart des pouvoirs pour donner à la presse la quatrième position de pouvoir. Je vous explique donc comment ça se passe. Alors, c'est quoi même la démocratie? Parce que la démocratie véritable se repose sur l'indépendance institutionnelle. On commence par là. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Barack Obama, à son temps, avait exhorté les pays africains de se focaliser sur l'indépendance institutionnelle. Vous connaissez tous le conseil. Mais parce que sans indépendance institutionnelle, aucune démocratie ne peut être véritable. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la fameuse liberté de la presse ne peut avoir un sens. Et la presse ne peut avoir son véritable pouvoir que si les institutions sont réellement autonomes. Pourquoi? Je vais donc vous expliquer pour que chacun essaye de comprendre à son niveau et améliorer pour ceux qui sont doués d'intelligence. C'est parce que la presse joue le même rôle que les agents de police judiciaire. Pourquoi? Parce qu'ils sont en avant-garde. Lorsque la presse dénonce une situation, dans un pays démocratique, les autres pouvoirs se mettent automatiquement en musique pour vérifier et à la limite sanctionner si c'est avéré. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que dans des pays démocratiques, la presse fait peur. Parce que si on dénonce, il y a de fortes chances que vous soyez arrêté. Mais chez nous, évidemment, comme j'ai l'habitude de le dire, tout ce qui quitte ailleurs, quand ça arrive chez nous, ça prend une autre forme parce que ça prend la forme de notre éducation, de notre peau et de nos comportements. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que nous, on a créé une autre forme de démocratie. Et pour paraphraser Omar Bongo Ondimba, il disait, le chien aboie, la caravane passe. C'est ça l'image que vous devez comprendre de la démocratie au Gabon. C'est-à-dire qu'Omar Bongo Ondimba était en train de résumer comment lui voyait le rôle de la presse? Ça veut dire que vous pouvez tout dire, vous pouvez tout dénoncer, le chien aboie, la caravane passe. Donc le chien, c'est nous qui dénonçons, et la caravane, c'est lui et sa famille passent, en train de manger et en train de se servir. Si vous avez compris ça, vous avez donc compris que la liberté de la presse n'existe pas. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'aucune autorité dans ce pays n'a peur de la presse. Sinon, comment comprendre qu'avec autant de révélations, qu'avec autant de preuves, personne n'est inquiété? C'est parce que la presse se bat pour rien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que même dans le fonctionnement de la presse, eh bien, il y a des équilibres. Je vous apprends que pour tous ceux qui ont fait le béaba dans les milieux de la communication, aujourd'hui, nous avons une taxe dédiée au domaine de la communication cinématographique et tout le reste, prélevée dans l'achat de Canal. Ce volumineux montant, qui du reste n'est connu de personne et qui bénéficie forcément à quelqu'un. On ne sait pas comment on redistribue cet argent. Qui sont les heureux bénéficiaires? Il y a un flou artistique. Tout ce qu'on sait, c'est que seule la RTG
reçoit une part de cet argent. Et même qu'il y a encore les gens qui gagnent 50 000 francs CFA à la RTG, comme des collaborateurs, c'est-à-dire des producteurs. 50 000, c'était même 30 000. Mais cette cagnotte arrive quand même là-bas, dans les poches de qui je sais. Si vous voulez plus d'explications dans ce domaine, adressez-vous à Minata Ondo, elle est de la maison, elle est bien placée pour vous donner des explications. Mais normalement, dans le fonctionnement normal de la presse, une maison comme Gabon Télévision, RTG, puisque ce sont des structures de l'État, ne pouvait pas bénéficier de l'intégralité des publicités, puisque ce sont des publicités qui donnent en règle générale un peu de pouvoir, un peu d'entrée aux chaînes de télévision privées. On devait donc réduire, pour ne pas dire interdire, mais réduire à presque 80% les publicités à la RTG, parce que c'est une chaîne publique, également 24, et puis réorienter cette publicité dans les structures privées, ce qui devait avoir pour effet le maintien d'une chaîne comme TV Plus en vie, et donner son autonomie, le maintien d'une chaîne comme RTN, donner son autonomie, le maintien des autres chaînes qui ont disparu parce que simplement on n'avait pas de moyens, parce que tous ceux qui travaillent dans les autres chaînes-là ne sont malheureusement pas payés parce qu'ils n'ont pas d'entrée. Et quand on n'a pas d'entrée, on ne peut pas fonctionner. Ce qui est différent d'un pays comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, ou même les chaînes privées, les gens vivent, les gens ont des salaires, les gens ils sont en joie. Là, quand on parle de liberté de la presse, même rien qu'à ce niveau-là, les professionnels de la presse peuvent être contents parce qu'ils ont quand même de quoi vivre. Ils se sentent à l'aise. Quand je pense que ce journaliste de Gabon, d'Africa, Télé Africa, Eugène Mayombe, du service du sport de Télé Africa, aujourd'hui dans une situation difficile, parce qu'évidemment, il y a plus que des arriérés des salaires. On parle quand même de la Journée internationale de liberté de la presse, avec une multitude de discours. Quand on pense qu'il y a de cela quelques temps, le Gabon faisait la fierté du continent africain avec un instrument de taille. Africa numéro 1, aujourd'hui disparu des ondes, disparu de la scène nationale et aujourd'hui disparu. C'est tout un symbole. Or, Alain Claude Bilibinzi va déclarer à son arrivée à la tête de ce ministère, nous allons tout faire pour récupérer ce symbole parce que c'est notre identité. Fin de citation. Les résultats aujourd'hui, disparition totale. Plus de la moitié des effectifs de cette chaîne de radio, aujourd'hui, ils sont enterrés. Tout simplement parce que dépassés par la pauvreté, par l'abandon, par l'oubli, certains sont morts. C'est ça le bilan de la liberté de la presse. Mais liberté rime avec accompagnement. Lorsqu'on est dans une liberté, dans un pays où la liberté de la presse est réelle, les acteurs politiques ont du mal à déconner. Parce qu'une fois vous déconnez, on vous sanctionne. Donc la presse ne peut avoir sa véritable force que si les institutions accompagnent la presse dans l'accomplissement de son rôle. Ils dénoncent, on sanctionne. C'est ça la liberté de la presse. Si vous imaginez autre chose, vous allez donc tomber en plein. Le dicton d'Omar Bongo Ondimba, le chien boit, la caravane passe. C'est pour cette raison que nous continuons d'aboyer, en espérant qu'un jour, cette même caravane qui passe, un jour peut avoir l'accident, bouh, et puis la caravane ne peut plus traverser de l'autre côté parce que le pont est coupé. Bon, bref, c'était juste ma modeste petite contribution à la fameuse fête de la liberté de la presse en République vert jaune bleu du Gabon. Big up à Nibout, Dinen.